Bonjour encore une fois de plus. Je viens aujourd'hui vous expliquer comment greffer un avocatier qui a 3 ans d'âge et un an plus tard, on a des fruits. Vous voyez cette tige? Cette tige est à 3 ans d'âge. Et vous voyez, j'ai envoyé la main plus haut pour greffer. Nous greffons comme ça parce qu'en fait, l'objectif du producteur, c'est d'avoir les fruits le plus tôt possible et avoir ce fruit de manière continue pendant plusieurs années. Et le plus souvent, nous laissons les plants à 3 ans et plus tard, on vient greffer. C'est toujours le semi-direct, c'est-à-dire on met là quelques 2 noyaux et puis on abandonne. 4 ans plus tard, on vient greffer. Aujourd'hui, j'ai fait 2 points de greffage. Il y a de cela un mois, une semaine. Et aujourd'hui, je vais détacher pour qu'ensemble, nous confirmons la réussite. Donc là, vous voyez, je détache pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ok. Voilà. Voilà le premier point détaché. Et du coup, vous pouvez facilement voir comment ça a réussi. Vous voyez là, ça a très bien réussi. Ok. Et ensuite, le second point. Je vais encore détacher le second point. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez là le second point. Ok. Et le second point a très bien réussi, plus que le premier point. Donc quand je détache, j'enlève ces feuilles. Donc tel que vous voyez là, vous voyez comment le second point a aussi très bien réussi. Vous voyez? Ok. Donc en fait, le plus souvent, vous pouvez laisser vos porte-greffes et à 3 ans vous greffez. Mais pour greffer un porte-greffe de cette taille, ça devient un peu difficile. Il faut avoir une taille. Si vous n'avez pas la taille, vous pouvez porter la chaise, vous déposer et puis vous vous placez sur la chaise ou soit sur l'échelle pour greffer. Et dans un an exactement, je viendrai ici et puis vous-même vous verrez comment ce plant porte déjà des fruits consommables. Okay.